Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rome 2 Total War. On se retrouve toujours avec nos amis les Samnites qui continuent de piétiner un peu tout ce qui passe. Hein. Je sais pas si on peut passer ici, si on peut passer ici complètement. Ça se passait plutôt bien, on s'était pas mal étendu je crois la dernière fois. Ouais, ici on a besoin de sous pour convertir des trucs. Faut que j'y pense. Donc là l'idée était de passer devant la ligue étrusque qui est en guerre du coup contre les mêmes adversaires que nous mais qui nous a un peu pris là de court. Donc il faut qu'on avance absolument plus vite qu'eux sur le reste des Gaulois, notamment Placentia là qui est quand même assez loin de nos lignes et assez proche de la ligue étrusque. Il y a une armée là, là. Avec en général pas dégueu. Donc faut faire attention à pas se faire trop bouffer, c'est des très très grandes provinces ici hein, par rapport à nous là où c'est quand même plutôt condensé globalement. Donc on avait commencé un siège aussi ici je crois, on était en train de construire des trucs. Ouais voilà, on avait juste commencé, c'était l'hiver, j'avais lancé en plein hiver à la fraîche, c'est le cas de le dire. Et bah je crois qu'on pouvait passer le tour, hein. On va jeter un œil vite fait. À chaque fois j'attends le... J'attends la nouvelle épisode pour passer le tour hein, parce que sinon ça lance des trucs et c'est trop compliqué. Ouais, ici on pouvait améliorer les armures de nos mecs mais on s'en fout un peu. Toi, qu'est-ce que tu fais de beau? Ok, lui il est là, mais on pourrait peut-être le sortir lui, il serait peut-être utile, genre il pourrait peut-être s'occuper de démonter ce mec. Ouais, 95% de s'en débarrasser, c'est pas mal. Parfait, on l'a assassiné, c'est encore mieux. Et donc ici on est à portée pour aller s'occuper d'eux après, on verra ce qu'il fait de sa flotte. Ah, on a récupéré 2000 de balles, 2000 de thunes hein, qu'en faisant cet assassinat. Alors, on peut peut-être faire des trucs avec 2000 de thunes. Du côté de machin là, on peut pas convertir ça, par contre on peut convertir ça. Ouais, des chevaux, ouais. Pouvoir recruter des chevaux c'est quand même pas mal. Allez, on va juste dépenser ça, le reste on va le garder. Qui c'est qui veut la paix? Syracuse, ils sont confiants. Et si Athéna vous aide, mais confiants plutôt jaune, hein. Ils sont perfides. Donc ils veulent nous payer, devenir notre client. Donc non. Décision ne nous plaît pas. Il n'y a pas moyen. J'espère au moins que vos dieux l'ont bien considéré. Donc il est en train de faire des trucs avec des agents visiblement. On verra ce que ça a donné. Alors la ligue étrusque. Ok, on est en train de se ramener avec une armée dans le coin. Du coup ça va nous faire chier si on est trop limité. Les Vénètes veulent qu'on rejoigne la guerre contre eux. Vous apporteront peut-être le malheur. Contre rien. C'est quoi? C'est ceux qui sont là-bas. T'as peut-être un peu mieux à faire. Non, non, pour l'instant, le nombre de personnes contre lesquelles on est en guerre, on va peut-être se détendre un peu. Si t'amenais tes armées plutôt que faire n'importe quoi, on pourrait en reparler, mais... Pour l'instant, tu fais n'importe quoi. Ok, parfait. Il se concentre un peu sur la Ligue étrusque, le Gaulois, c'est cool. Ici, on a les pirates toujours qui se baladent. Le Boyen, je crois qu'il veut toujours profiter, mais tant qu'ils sont en marche forcée, ça sert à rien. Ouf, il nous envoie un vieux druide tout croulant, là. Le Carnut. Alors, lui, il va essayer de nous laminer, normal. Ah, il a réussi à faire un truc. Et il nous attaque, d'accord, il nous attaque. Il sort de la ville, il nous attaque, très très bien. Donc on a du bretteur italique, du lancier italique, du tirailleur, beaucoup de frondeurs mine de rien. On a que des archers, par contre on a du polybolos. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Il nous a détruit une unité avec son péon. Et ben c'est pas grave. On a, je pense, des unités d'assez bonne qualité pour résister à son attaque.
Avec un peu de chance en plus, on aura un bon emplacement de défense, on va voir. Bon, ça a l'air d'être assez plat, hein. Pas beaucoup de bois, une magnifique route. On a l'avantage en termes de cavalerie. En plus, ça a l'air d'être plus ou moins les mêmes que les nôtres qu'il a pris, mais en mercenaires. Alors, voyons voir. On est donc en défense. Ouais, voilà, on est sur du pur plat. Donc on va pas pouvoir trop cacher notre cavalerie et on va pas non plus pouvoir prendre l'avantage sur ces frondeurs avec nos archers en les mettant en hauteur. Du coup, on va faire une ligne avec nos polybolos. Devant, on va mettre quelques mecs parce qu'on a vu qu'ils tirent quand même plutôt en hauteur, donc c'est assez pratique. Cette fois, on va essayer de pas... Tiens, j'ai un général fantassin samedite d'argent dans cette armée. Pourquoi pas. On va essayer cette fois de pas trop, de pas faire une ligne de front trop grande. Et on va la faire un chouïa plus petite, histoire de garder du renfort en fait. On va se mettre ici des lanciers. Hop, donc on va les mettre comme ça. Du lancier à l'arrière également pour protéger les flancs de la cavalerie. Et on va mettre nos archers, un truc comme ça. Ouais, où je les mets carrément devant, mais il faudra qu'ils reculent. Parce qu'on est, ouais, on est pas très protégé là en cas de charge. Nous attendons vos ordres. Peut-être mettre la deuxième unité de lancier comme ça. Bon, sachant que on a notre cavalerie hein, pour gérer les éventuelles charges. Donc ces deux-là on les met là. Et ces deux-là on les met de ce côté-là. Ouais. Et on a quand même trois unités de renfort capables de venir renforcer un peu partout. Alors là je pourrais les mettre en carré mais le problème c'est qu'on couvre quand même beaucoup moins de terrain quand on est en carré. Du coup on va pas le faire, voilà. Et à part du coup comme ils nous attaquent en plus on n'a pas du tout pris d'attrition, c'est plutôt la bonne nouvelle. Normalement ils devraient pas avoir de renfort. Ah si, ils arrivent en tant que renfort, vu que c'était une ville j'étais pas sûr. Bon, on va attendre qu'ils s'approchent. Ouais, la ligne de tir de nos polybolos elle est là. Ça tire pas. Ça tire à peine deux fois plus loin que les archers au final, hein. C'est pas non plus un truc de malade. Hein. J'espère c'est que je vais m'avancer un peu parce que je suis pas sûr d'être assez loin en fait. De toute façon si on voit qu'ils tirent dans le dos de nos mecs, on les annulera direct et puis on les virera les polybolos. Allez, on va passer en vitesse troll tant qu'il se pointe, surtout qu'il a l'air de marcher. Pour une fois, enfin un mec qui se précipite pas. Pourquoi tout c'est très bleu là? Qui c'est qui a autant de... Parce qu'il y a lui qui a une aura, mais c'est tous les... J'ai l'impression que toutes mes unités ont une aura en fait. Ça doit être eux avec leur massacre là. Peut-être que massacre ça a une aura. Ok, ils arrivent à porter des polybolos, donc on va se calmer. Ok, donc ils tirent quand même en cloche. C'est la bonne nouvelle. Alors je suis pas sûr que ça vaille le coup de tirer sur les frondeurs par contre. On a du lancier. Là on a le mercenaire de cavalerie. Où est son général? Son général est très loin derrière. Ouais, on est sur la merde quand même. Non bon, on va les laisser tirer sur ce qu'ils veulent. Après tout hein. Ils arrivent quand même à pas mal dépiauter des gens. Hein. Bon, les frondeurs vont pouvoir nous tirer dessus d'assez loin, mais bon, ça reste du frondeur. Donc, je suis pas très très inquiet. Alors, il s'est arrêté juste avant la portée de tir de mes gens, normal. Ok, donc là il prend une stratégie de... il avance pas. Il garde ses unités derrière, il veut m'engager en fait. Il veut utiliser toutes ses munitions sur moi, ce qui est une bonne stratégie, hein, vu qu'il a un très très gros avantage en termes de distance de tir.
mais qui est une stratégie que l'ordinateur n'avait jamais prise jusqu'ici. Donc on n'a pas le choix, on va y aller. Sans stress, hein. On a quand même des unités très costaudes. Mais malgré qu'elles sont très costaudes, si elles se prennent des tirs de frondeur pendant des heures, elles vont forcément souffrir un peu. Donc on y va en marchant, parce que par contre on a largement le temps de s'approcher sans stresser normalement. Juste faire attention à sa cavalerie. Ah, il recule carrément. On va le suivre. Alors, est-ce qu'avec notre cavalerie, on n'aurait pas une opportunité là ? Oh, il a largement le temps de se replacer, mais ça pourrait être intéressant quand même d'envoyer. On va envoyer au moins deux unités. Avec qui on va avancer aussi, histoire de pas être en arrière. Pendant ce temps-là, les polybolos tirent. Ok, donc dès qu'il est à portée des archers, il recule, hein, très clairement. Alors ici, ok, ici il se porte vers nous. Très très bien. Alors, quoi ça se transforme là? Sa cavalerie ici n'a toujours rien fait. On va avancer celle-là un petit peu. Là, on a le général qui a décidé de se pointer. On va mettre tous nos tireurs dessus. On va commencer à courir un peu. On va les faire charger sur... les unités de corps à corps. Alors là, toi tu vas charger ici. Ici elle résiste. Donc on a du frondeur ici. Nos polybolos ils sont encore à portée de tir, hein, pendant encore un moment, donc ils vont pouvoir continuer de se faire plaisir tranquillement. Partez par là, vous. C'est quoi? C'est du fantassin samnite qui m'envoie. Hein. On va se détacher ici. Donc ici, on est engagé. Ici, comment ça se passe? Ah, on est pris par son autre cavalerie. On va donc charger. Ici on a accroché des gens, normal. Il a reculé son général, ici on est engagé également. Ici on est engagé également, c'est pas si mal. Vous, j'aimerais bien que vous couriez par là. Tirez un coup là-dessus, vous tirez donc sur ces petits tirailleurs. Ici on a du frondeur qui est engagé, là on leur charge de dos dessus, c'est plutôt positif. Ces archers là, potentiellement menacé par eux, mais pour l'instant c'est pas encore trop dramatique. On va passer nos mecs engagés en mode massacre, histoire que ça aille un peu plus vite. Ici elle est un petit peu dans le mal, mais on envoie du renfort. Je crois qu'il y a du fantassin samnite de base qui se pointe. Ici on s'est un peu fait découper, hein, parce qu'on est quand même bien en sous-nombre, mais l'idée c'est de se détacher. Pareil ici, on va se détacher. Notre général se fait attaquer. Ok, il recule. Là il y a une cavalerie au milieu qui résiste, qui du coup nous permet de nous occuper du reste. Ok, là ça va céder. Sa cavalerie mercenaire a l'air d'être de meilleure qualité que la mienne. C'est un peu triste, mais bon, pourquoi pas. Ici on est engagé avec des frondeurs qui résistent et de la cavalerie qui résiste, mais rien de fou non plus. Ici m'attaque de dos. On va donc envoyer un petit peu de personnes pour pousser.
Ah mais non, mais en fait j'ai l'impression qu'il m'a buté mon général cet enfoiré. Oui, c'est pour ça que c'est un fantassin samnite d'argent. Il m'a buté mon général. Très très bien. Ça fait bien plaisir. Alors eux, je sais pas sur quoi ils tirent, mais ce serait bien qu'ils tirent sur pas trop dans le tas non plus. Genre là-dedans. Parce que je sens qu'ils vont bien tirer dans le dos de mes troupes sinon. Vous repliez. Vous avez quand même un petit peu souffert. Ici, ça se tabasse un peu. Là, on est en train de tirer sur ces gens. Là, c'est du bretteur italique qui se ramène. Bon, c'est en train de céder derrière. Déjà, on les a bien laminés. On reste, ça reste des unités quand même d'excellente qualité, hein, normal. Ici, ça fuit. Ici, il essaie de m'accrocher avec sa cavalerie. Malheureusement, il a plus ou moins réussi. Ok, donc il recule. On recule aussi. On va jouer un peu au chat et à la souris. Hein. Il revient. Tirer sur ses frondeurs, il devrait céder assez vite. Ici, on tire sur quoi? Sur des tirailleurs. Ce serait pas mal de tirer dans le tas là, avec quelques. Quelques-uns de nos personnages. Ah merde, ici on est engagé contre de la merde par contre. Sa cavalerie s'est détachée ou elle a fui? Elle s'est détachée. On va se détacher aussi de ces bretteurs là. Ils nous servent à rien. Enfin, ça sert à rien de les affronter plutôt. Ici on va tirer sur les tirailleurs. Faut qu'on surveille sa cavalerie, qu'elle fasse pas de la merde. Visiblement elle a décidé de charger dans le dos. Alors ici ils ont même pas réussi à les faire fuir quoi, c'est un peu triste. On va demander aux archers de s'en occuper. Alors comment ça se passe? Ici c'est en train de céder. Ici il y a beaucoup de monde qui arrive à engager notre cavalerie. Je pense qu'elle va se faire dépiauter notre cavalerie. On va envoyer quelques archers filer un coup de main dans le coin. Et je pense qu'on va ramener aussi un petit peu de renfort. Alors ici ça donne quoi? Charger les gars. Donc ici c'est du lancier hein, mais il devrait céder quasiment direct dès qu'on va charger. Ah quoique il résiste. Bon bah vous deux là. Enfin cette unité là elle va se pointer par ici. Ah merde, ici on s'est fait engager par quoi? Putain c'est cavalerie. J'avais dit que je la surveillais, oui, et du coup il s'est détaché ici, là, il nous laisse sa chair à canon et il a détaché sa cavalerie. Très très belle action, hein. J'étais complètement concentré sur autre chose. Où est son autre cavalerie? Elle est là, ça va, et en plus elle est face à nos lanciers. Par contre ici il faut vraiment que vous tiriez les gars. Les hommes sont hésitants. Forcément, hein, les archers là, ils aiment pas. Ils ont cédé. Ils ont moral de merde mes archers par contre, ça c'est super chiant. Putain, puis en plus quand ils cèdent ils déconnent pas. Hein. Vache. Ici. Faites ce que vous voulez mais vous tirez par là. Ah merde, ici il y a d'autres lanciers qui se sont pointés donc là c'est un peu plus sérieux. Ici on va essayer d'attaquer ces cons. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Ouais putain, ils arrivent à se détacher là. À chaque fois. Qui c'est qui a plus de munitions? C'est un cavalier encore, c'est pas très très grave. Ici, chopez-moi ça. Ici, chopez-moi ça. Vous, faut que vous vous occupiez de la cavalerie. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Que nos archers soient un peu libérés. Où est-ce qu'on a des fantassins qui se font laminer là? Ici. D'accord. On va s'en occuper un moment. Ok, ici ça résiste.
Ici ça a cédé complètement. Ah non, il reste encore des fantassins samnites là devant. Hein ? Ah oui, des fantassins samnites natifs, on est d'accord. Eux ils courent après ma cavalerie qui va se rabattre normalement. Ici on est deux à s'occuper de ces cons. Une de nos unités a utilisé. Ici il y a peut-être moyen qu'on arrive à gérer toutes ces conneries de cavalerie là. Là ça fuit, on va essayer de diminuer un peu dans le tas, on va essayer de diminuer un peu dans le tas aussi. Ici c'est géré, ça serait pas mal de faire une petite charge de dos quelque part là. Sa cavalerie est en train de se dégager en plus. Ici je sais pas ce qu'il fout, donc on va essayer de se tirer. Alors ici, il faut qu'on dégage nos archers rapidement. Il faut qu'on dégage notre cavalerie aussi rapidement. Ok, parfait. Ici, toi tu charges cela, toi tu charges cela. Derrière, ils vont courir un peu. Ok, ici c'est parfait, la cavalerie est enfin neutralisée. On va envoyer des fantassins samnites par là, on va envoyer eux par là-bas. Et la cavalerie va reculer un peu. Faire courir ce qu'il faut faire courir. Infanterie lance projectile à votre service. En pas de course. Cavalerie. Vous mettez-vous en mode massacre et butez-moi ces cons. Là on va essayer de faire un peu de contournement. Donc là on s'occupe des tireurs qui fuient, c'est parfait. Ici on a quelques. C'est quoi? C'est du frondeur. C'est du frondeur qui se sont ramenés, c'est pas très très grave. Il y a la cavalerie qui est engagée ici contre du lancier, ça devrait le faire. Le fantassin samnite d'argent qui sont 4 mais qui résistent comme des brutes quoi. Ici, essayez de nous diminuer un peu ça. La bataille tourne en notre faveur. Ouais, je pense que là ils vont commencer à céder un peu. Sa cavalerie elle est là, elle est totalement décimée. C'est plutôt cool, on va envoyer eux là s'en occuper. Ils sont en train d'essayer de faire le tour là encore. Courez-vous. Je sais pas où ils vont. Ouais, ils essayent de charger mes archers. Mais la cavalerie cette fois est derrière. Alors je sais pas sur quoi ils tirent les polybolos, mais ils vont peut-être se calmer par contre, parce que j'ai un peu l'impression que c'est le bordel quand même. Vous vous tirez sur quoi? C'est pareil, rappelez-vous. Parfait, on a chopé la cavalerie et elle s'est enfuie, c'est la victoire, parfait. Bon, on aura perdu une unité, victoire de justesse. Oui, alors j'aurais peut-être pas dit ça, on a perdu 600 hommes, ce qui est beaucoup, hein. Ces fantassins étaient plus performants que ce que je pensais, puis ça cave comme d'hab, hein, qui a réussi à passer, à choper mes archers, c'est habituel, mais enfin voilà quoi. Attends, les polybolos ils ont fait le taf, hein, la vache. Par contre je pense qu'il y a beaucoup de tiramis dans ce tas là. Eux ils ont tenu alors qu'ils étaient plus que 20, mais ils ont fait mal aussi. Globalement toutes nos unités ont fait le taf, hein, vraiment. Mais du coup on a perdu notre général, il a réussi à le buter. Bon, ça va que notre morale du coup est pas trop tombée. Alors on va voir c'est quoi l'importance du mec qui est tombé par contre. Donc ça peut quand même être chiant. On va les tuer. Ah zut, du coup ça met pas fin au siège. Eux ils nous lâchent. Ah, là ils ont décidé de débarquer, pourquoi pas. Ça veut dire qu'il va peut-être falloir qu'on envoie une armée s'en occuper. Alors du coup, on avait du coup des gens prêts à faire des trucs.
2% de morale, moins 1 de gravitas, moins 25, on va prendre lui. Hop. Et on a... Oui, on avait renvoyé un criminel et du coup on a encore la faveur de Carthage. Parfait. On a pris un petit peu d'usure. On a un entourage qui grandit. On a construit pas mal de choses, c'est cool. Ça coûte quand même plus que ce qu'on avait puisqu'on a, on a un revenu qui a baissé. Alors on va retourner voir tout de suite. Ça s'est encore fait mal foutu. Ici, voilà. Donc ici. On va les écraser, hein. Ah, c'était pas une capitale provinciale, je pensais que c'était une capitale, tiens. Ouais, bon, en mode agressif. Hein. Faut qu'on en termine parce que sinon il va nous faire chier avec ses... Avec ses agents, là. Et donc on occupe. Voilà. Et la faction est détruite, parfait. Alors on va regarder qui c'est qui s'est fait tuer. Ah, on a même pas le message en fait. D'accord. Bon, bah, c'est ballot. c'est ballot. Et du coup, c'est une province qui fait du fer. Du coup, faut qu'on fasse ce qui va bien avec ce côté-là. Ouais, là on faisait de l'armurerie. Et l'autre, du coup, on va faire l'autre qui manque. À savoir un forgeron. Comme ça on va pouvoir mais alors avoir des unités d'une qualité normalement assez exceptionnelle. Donc on va les dégager tout de suite, ça nous fera un peu de blé et on va recruter des balistes à la place. Comme ça déjà ça va reformer plus vite les troupes et en plus on sera bien. Alors par contre on a du bâtiment qui sert à rien, ça c'est pas inutile, ça par contre je pense que ça peut dégager. On est plutôt sur une province qui fait de la... Alors après on pourrait quand même le garder hein, mais ça serait bien d'avoir un petit temple quand même. Donc on va le détruire, on va faire un temple à la place. Ça je me tâte à le détruire et à faire... Non, pouvoir recruter de la cavalerie c'est quand même pas mal. Je me tâte à le détruire et à faire une mine en fait. Parce qu'on a quand même ça qui donne un bonus pas dégueu. Mais non, on va se contenter de ça. On va garder la thune pour aller convertir les bâtiments qu'on avait à convertir ici. Hop. Ici j'avais détruit un truc. Ok, pourquoi je ne sais plus. Mais il y avait sûrement une idée. Je sais plus pourquoi j'avais détruit un truc ici. Je sais même plus ce que j'avais détruit. Je crois que c'est un bâtiment de recrutement. On va faire un petit temple. Un petit bois d'Athéna, pourquoi pas. À Raven, ça pourrait être pas mal. On a quoi comme garnison? Ouais, on a quand même de quoi tenir bien. Surtout qu'on a des troupes ici bien placées. Alors, est-ce qu'on peut améliorer tout ça? 14 000 quand même. Hein. On va déjà améliorer notre général. Et puis quelques petites troupes à droite à gauche avant de les envoyer. Voilà, on a déjà dépensé tout notre blé. Et on peut donc avancer jusque là. Par contre, on sait pas ce qu'il y a ici. Est-ce qu'on a des agents à même d'aller jeter un œil, genre toi là. Ouais. Tu vas faire ton taf d'espion et tu vas aller voir si ça vaut le coup d'attaquer direct. Ah oui, il y a quand même la violence. Du bretteur gaulois noble, des haches gauloises, deux armées, beaucoup de cavalerie, bon ça c'est de la merde. Et celle-là on la voit pas mais elle est en train de recruter, elle sera à 20 au prochain tour. Donc oui, on est quand même pas non plus ultra serein. Ça pourrait être intéressant d'avancer, de se mettre en fortification. On se met en fortification, sachant qu'on a normalement un mec qui arrive dans le coin. Alors il peut pas venir en renfort, mais lui pourrait venir en renfort éventuellement. Donc il va venir. Avez-vous d'autres ordres ?
Voilà, donc là on a deux armées en bon état. Lui il va faire une petite pause ici du coup. Est-ce que là on pourrait se débarrasser de ce druide? Il a échoué une tentative. On a assez de sous, oui on a assez de sous, parfait. On va essayer de s'en débarrasser, ça fera toujours ça de moins. Ok parfait, ennemi assassiné. Donc là c'est une nouvelle province hein, qu'on commence en allant par là. On aurait pu aussi partir par ici, mais le Carnut avec deux armées pleines là, ça me paraît un plan un peu pourri. Donc ici on a toujours rien. On va envoyer le diplomate un peu en espionnage. On n'a pas d'autres armées disponibles dans le coin. Ouais. Faudrait que cette armée là, va falloir qu'on l'envoie au nord en fait. Raven est suffisamment protégé, on va l'envoyer au nord. Avec le blé qu'on a récupéré, on va se améliorer nos troupes. Ah, on peut les améliorer un peu déjà, vu qu'ils avaient déjà une demi-amélioration. Normalement, ils devraient avoir des armes de niveau 2, non? Ah oui, il y a armes et armure de niveau 2. Ok, d'accord, faut cliquer dessus. Parfait. Alors du coup, sur l'autre front, qu'est-ce que ça donne? Il a remis son armée là, normal. Ce qui veut dire qu'on peut pas lui sauter dessus. Par contre, on peut sauter sur cette province. Où il y a quand même 1000 hoplitélistes en défense. Du coup, ça pourrait éventuellement être intéressant de laminer un peu la garnison. Ici, il y a un peu plus de troupes encore. Toi, tu étais en marche forcée. Je sais pas pourquoi, mais tu peux l'enlever. Donc là on a toujours pas de garnison puisqu'on a toujours pas la tech qu'il faut pour ça, c'est normal. Ici Syracuse est toujours à poil également. Donc c'est un peu dangereux de se tirer. Bon après les armées là elles sont pas à portée pour faire quoi que ce soit non plus. Mais c'est quand même un peu risqué. Après faut qu'on bouge là. Antella, il y a de la garnison maintenant Antella. Toujours pas fini hein. Ouais, faut qu'on bouge. Donc on va envoyer cette armée par là. On va tâter un peu le terrain. Ça le ferait plutôt bien. Du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. On n'a pas du tout d'archer dans cet armétier. On va s'arrêter là pour cet épisode parce qu'il est assez long. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.